Je suis choisie, l'amour même. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les Alors, bonjour, cher choisi de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi, vendredi midi pour moi, vendredi soir peut-être pour vous, ou plutôt encore dans la journée, je ne sais trop. Donc, je suis heureux d'être là, d'être, je dirais ce fidèle serviteur là qui est là, qui écoute, puis qui, je dirais, vient partager avec vous ce qu'il a découvert pendant la dernière semaine. Et puis aussi, ce que le Seigneur a pu inspirer aussi dans mon cœur pour vous transmettre cela. Donc, Louisa, je te dis bonjour, merci d'être là. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance ou si vous étiez là la semaine passée, mais je vous avais laissé un petit devoir, de voir ce qui autour de vous, ce qui vous donnait en fait la possibilité de pouvoir identifier ce qui autour de vous était en fait source de discernement. En fait, le Seigneur met toujours sur notre route des personnes, des événements ou que sais-je là, pour que nous puissions avancer dans son grand plan d'amour, dans cette mission-là qui est la nôtre. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice-là de regarder tout simplement ce qui a été pour vous dans cette semaine-là, dans la semaine qui vient de passer. Je dirais ces événements, ces personnes qui vous ont aidé à avancer dans la foi. Et si vous ne l'avez pas fait, ben écoutez, c'est toujours de mise de faire cela, dans le sens que ça nous permet de se mettre en action et puis de pouvoir dire, ben oui, Seigneur, tu as été là, je t'ai identifié et voilà, tu m'as permis d'avancer dans ce discernement-là qui était le mien, dans cette mission-là qui était la mienne. Fait que voilà, c'est un petit retour en fait sur la dernière vidéo qu'on a eue ensemble. Il y a, je ne sais pas comment trop le prononcer, là, mais Fousseni, Koulab, en tout cas, j'ai bien la misère, donc je te dis bonsoir. Il y a Nicole aussi qui nous dit, ça va Kevin, ça fait plaisir de te voir et de t'entendre parler de la foi et de notre Seigneur Jésus. Donc, merci Nicole. Donc, ça va bien. C'est vrai, c'est sûr que je ne réponds pas souvent à cette question-là, mais ça va bien. Ça va bien. Moi, écoute, dans mon quotidien, je dirais que tout est là, tout est paramétré pour que je puisse, que l'action du Seigneur puisse se faire dans chacun des aspects de ma vie. Voilà, je dirais ça comme ça. Et puis, je dirais qu'avec la Fondation, avec toute la mission que nous avons à la Fondation des Choses de Jésus, il y a beaucoup de choses qui sont en branle, beaucoup de choses qui nous tiennent occupés, je dirais. Et puis, cela, c'est d'autant plus, je dirais, comme une source de joie, une source de bonheur là, qui vient dans nos cœurs à chacun, chacune, et qui nous propulse de l'avant, qui nous donne l'énergie nécessaire pour continuer dans cette belle œuvre-là. Vous voyez le titre, hein? Chemin, vérité et vie. C'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui dans cette petite vidéo que nous avons ensemble. Donc, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait bien nous, sur quoi il voulait bien nous instruire. Et c'est le message 74 du troisième volume qui est sorti, d'où j'ai tiré ce titre-là, hein? Chemin, vérité et vie. Et j'ai organisé justement ce qu'on va se partager ce soir,
sous ces trois thèmes-là. Donc, on ne sera pas perdu. Ça va être, je pense, assez clair, assez facile de suivre aussi. Et je vous inviterai par la suite, là, dans votre quotidien, là, dans la prochaine semaine, de relire, en fait, ce message 74, hein, auquel tout ce que je vais vous donner est tiré. Donc, Jacqueline qui dit « Bonsoir, Kevin, j'aime bien cet accent canadien. » En plus, je me force même pas pour le donner cet accent-là. Donc, merci bien de nous aimer dans notre réalité. Donc, de ce côté-ci. Il y a Louisa qui dit « Vous êtes gâtée à la Fondation. » Oui, effectivement, on est gâtée. Mais en même temps, je dirais qu'on chôme pas. Donc, on travaille fort. Donc, chemin, vérité, vie. Hein? Moi, c'est ce qui m'a interpellé dans le message 74. Chemin. Hein? Vous savez, il y a dans la Bible, une parole est dit « Je suis hein, le chemin, la vérité et la vie. » Donc, qui passe par moi aura la vie éternelle. Ça, c'est dans la parole de Dieu qui dit ça. Je n'ai pas tiré la référence, là, désolé, mais vous allez pouvoir retrouver ça très facilement. Et donc, le chemin, vous l'aurez entendu, c'est Jésus. Donc, le chemin, il faut passer par le Christ. Hein? Il faut passer par là. Puis comment? Hein? Comment qu'on entre dans ce chemin-là? C'est en donnant son oui. Hein? On parle de oui total, inconditionnel, irrévocable à la Fondation. Eh bien, c'est ce oui-là qu'il faut donner. Est-ce que ce oui-là a besoin d'être, dans un premier temps, hein, irrévocable? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir tous ces qualificatifs-là? Non. Il y a besoin d'avoir un oui d'abord pour le suivre. Hein. Sur ce chemin-là, n'inquiétez-vous pas, vous allez avoir tout ce qu'il faut hein, pour donner ce oui-là qui sera un oui total, irrévocable et inconditionnel. Vous aurez tout pour le faire. Tout, vous allez tout découvrir avec le Seigneur. Mais pour cela, hein, il faut accepter de donner son oui, de donner un premier oui, puis d'en donner plusieurs qui découleront de ce oui-là, bien sûr, qui deviennent de plus en plus hein, total. Et comment aussi? En acceptant de suivre Jésus sur son chemin. Ça a l'air simple, hein, ce que je dis. Mais des fois, hein, on dit, « Bon, j'ai donné mon oui. » Finalement, ce oui-là hein, veut dire beaucoup de choses, mais il veut dire aussi de prendre, je dirais, de prendre conscience et puis de dire, « Ben écoute, c'est un choix que le Seigneur te propose. Est-ce que tu acceptes de suivre Jésus sur son chemin? Est-ce que tu acceptes cela? Tu es libre. » Et c'est pour ça que ça devient important de répondre aussi à cette question-là. De suivre sur son chemin, ben, ça demande d'accepter de le suivre hein, sur son chemin. Et puis, ben, bien sûr, en exerçant librement son choix, hein, en exerçant un choix libre. Est-ce que je le suis parce qu'on me force à le suivre? Est-ce que je le suis parce que ben, tout le monde le fait, fais-le donc? Ou est-ce que je le suis parce que, justement, j'ai découvert en moi quelque chose qui vient, je dirais, me rassasier, qui vient répondre à mes aspirations profondes et qui me donne de dire, ben écoute, je sais que c'est pas parfait. Je sais aussi que à chaque fois que je te suis, Seigneur, il y a toujours un plus, il y a toujours quelque chose de plus grand, de plus intense, de plus, je dirais, profond qui vient me rejoindre, malgré les souffrances, malgré tout ce que je peux vivre, ben, il y a quelque chose, il y a toi sur quoi je peux m'appuyer pour avancer justement dans la foi. Voilà, donc un choix libre. Donc, comment le suivre sur son chemin, hein, en donnant son oui? En acceptant de suivre Jésus sur ce chemin-là, bien sûr, et en exerçant un choix,
en exerçant librement son choix. Et il y a des conditions, hein? Bien sûr. Il y en a toujours des conditions, mais les conditions, vous verrez, elles sont simples, puis elles sont de l'ordre de dire, ben écoute, je vais vivre avec lui, hein, sur ce chemin-là, des choses que lui-même a déjà vécues et par lesquelles moi je dois passer aussi. Et une des choses, c'est de cesser de se regarder. Plus concrètement, c'est-à-dire de regarder ses peines, ses joies, ses misères. Donc, de cesser de se regarder. C'est pas simple, ça. C'est vraiment pas simple parce que à chaque fois, hein, qu'on avance avec le Seigneur, bien, il y a des nouvelles joies, il y a des nouvelles peines, il y a des nouveaux bonheurs qui arrivent. Et tout ça entre en résonance avec ce qu'on a vécu avant. Hein? Donc, on va être tenté de toujours regarder, en fait, ces vieilles peines, ces vieilles misères, ces vieilles joies aussi, comme si ces joies-là étaient plus belles que ce que je peux vivre aujourd'hui. T'sais. Cela m'éloigne tout simplement du moment présent dans lequel je peux rencontrer le Seigneur. Ce ne sont que des choses qui font que ma personne, ce que je suis aujourd'hui, oui, puis j'en rends grâce à Dieu, puis je le bénis pour cela, puis je vois tout le chemin que j'ai fait aussi à travers cela. Mais aujourd'hui, ce qui m'est demandé, c'est de vivre ces joies, ces peines, ces misères dans lesquelles tu es plongé aujourd'hui, et de laisser les autres à la miséricorde du Seigneur. C'est ce qui t'est demandé. Donc, c'est une des conditions. Pas facile celle-là. Il y en a une autre. C'est de regarder Jésus et le chemin qu'il a suivi pour racheter le monde. Ça, c'est un petit peu plus facile, peut-être. Puis ça nous donne de pouvoir relativiser avec, hein, ce qu'on a vécu, nous. Et de le voir sur ce chemin-là, hein, sur lequel il a été jusqu'à la mort et la mort sur la croix pour nous racheter, eh bien, nous donne de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir aussi avancer dans ce beau chemin-là, qui est un chemin où nous le suivons, bien sûr. Et pour donner un petit peu plus de sens à tout cela, ben, pour donner son oui, hein, dans le oui qu'on donne, c'est aussi d'accepter le fardeau des grandes souffrances. Ça aussi, c'est pas facile. On sait pas ce qu'on va vivre comme de grandes souffrances, mais on sait ce que Jésus a vécu comme grande souffrance. Est-ce qu'on veut vraiment entrer dans ce chemin-là qui nous fera passer d'accepter ce fardeau-là? Est-ce qu'on va les vivre, ces grandes souffrances-là? Il nous est demandé d'accepter ce fardeau-là et non de rentrer pleinement la tête dans le sable ou la tête dans les souffrances puis de dire, ben, je vais juste vivre la souffrance avec lui. Non. Il est demandé d'accepter ce fardeau-là. D'accepter. On peut commencer par l'accueillir, si vous voulez. C'est peut-être le premier pas à faire. Il était demandé aussi de l'accepter. Hein? De l'accepter. Donc, il y a quelques conditions comme ça. Hein? Ce n'est pas des conditions qui sont très... que vous connaissez probablement, que vous connaissez déjà, dans lesquelles vous marchez déjà, mais de se le redire dans certains mots, d'une certaine façon, eh bien, ça nous donne un peu plus, je dirais, de lumière, d'éclairage, sur ce que c'est que de suivre Jésus sur son chemin. Le chemin, hein? Chemin, vérité et vie. Chemin, hein? C'est on dirait que la porte est étroite, hein, pour passer là. On dirait bien. Il y a Jacqueline qui dit « Le chemin est un cheminement, la vérité est le juste, oui, et la vie, c'est l'amour de Dieu. » Jésus nous laisse libres. Merci Jacqueline de nous
je dirais, de nous donner, en fait, ta méditation, ce que tu retires de cela, ce que tu as médité certainement avant. Donc, la vérité et le juste oui, hein, tu dis ça. Et puis, et la vie, c'est l'amour de Dieu. Jésus nous laisse libres. Merci de nous dire ça. Il y a Louisa qui dit, « Quand on avance avec le Seigneur, qu'on se laisse faire, il nous dépouille de tout. Hein, » il nous dépouille de tout. Et oui, dans la mesure où ce que, hein, Louisa, je pense que tu expérimentes cela de façon journalière ou de façon mensuelle, hein, mais de voir que tout ça, hein, se fait avec ton consentement, bien sûr. Et tu redis aussi, « Regardez, dit Léandre, dans son rétroviseur, voir le chemin parcouru. » C'est pas facile du tout, effectivement. Et Jacqueline qui nous dit, « Bonne préparation à l'avant, accueille Jésus. » Donc, oui, c'est drôle, hein, qu'on arrive... en ce vendredi, hein, à la veille, je dirais, de l'Avent, parce qu'on commence l'Avent très, très bientôt, dès la semaine qui arrive. Et étonnamment, on a justement un sujet qui nous parle du chemin de la vérité de la vie. Chemin qui n'est pas facile à suivre. Merci pour votre collaboration dans les commentaires. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup vous lire et puis regarder ça. Et puis, ben, pour te convaincre de tout cela, ben, on a à regarder le oui que Jésus a donné pour accomplir sa mission. Hein, tout ce qui fait que le comment, les conditions à suivre, et puis, hein, regarder ce oui-là que Jésus a donné pour accomplir sa mission. C'est un oui qui a été, oui, Père, je dis oui à cela. Pour que ta volonté puisse s'accomplir. Mais je dis oui à ça. Eh bien, moi, est-ce que je suis capable de dire mes oui, tout simplement, et d'accepter, tout en acceptant de suivre le chemin de Jésus et en exerçant ce choix qui est libre pour moi. Cela va occasionner de cesser de me regarder, hein, cesser de regarder mes peines, mes joies, mes misères. Regardez aussi le chemin que Jésus a suivi pour nous racheter. Donc ça va nous donner un petit velours, un petit quelque chose de dire, ben écoute, ça nous donne un peu de joie dans le cœur. Et puis de donner son oui, c'est d'accepter le fardeau des grandes souffrances. Voilà. La vérité, hein, il y a Jacqueline qui disait, la vérité est le juste oui. Ici, la vérité, c'est celle de l'amour. C'est celle de l'amour. En Jean 15, verset 13, il est dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. » Donc, hein, la grande vérité, c'est celle de l'amour. Et vous l'aurez probablement deviné parce que, hein, dans la Fondation des Choix de Jésus, on parle beaucoup, hein, de cet amour-là, de l'amour avec un grand A, bien sûr. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et puis, cette vérité-là, elle est universelle. Donc, peu importe où je me trouve, dans quelle situation que je me trouve, cette vérité-là, elle est universelle. La vérité de l'amour. Puis comment reconnaître que je suis sur ce bon chemin-là? Eh bien, si cette vérité-là de l'amour vient du fait que je suis, hein, en communion avec Jésus, eh bien voilà, cette vérité-là est vérité. Si je ne suis pas en communion avec Jésus, ben à ce moment-là, ce n'est plus le A du A majuscule qui parle, tout simplement. Ce n'est plus le même amour, ça en est un autre. Donc, chemin, suivre le Christ, et la vérité, elle se révèle
Dans le grand amour, dans l'amour, l'amour et la vie, hein? C'est celle qui nous fait ressusciter, hein, dans la vie. Donc la vérité, hein, qui est celle de l'amour, nous ressuscite notre vie pour qu'elle soit dans cette plénitude-là de joie, de bonheur et d'amour. Avec un petit A. Est-ce que je vois qu'il y en a qui inscrivent, merci Kevin, Normand qui dit merci Kevin pour ce bel enseignement, que le Seigneur te bénisse ainsi que tous les choisis de Jésus. Louisa qui dit très beau message, merci Kevin. Puis Caroline qui dit aussi bonsoir Kevin et à tous. Caroline, qui, je pense, vient de se joindre tout simplement à nous. Là, je pense qu'elle n'était pas là au départ. Je ne vois pas tous les commentaires. Là, ils sont un petit peu cachés. Mais je suis heureux que vous ayez apprécié cela et que vous puissiez, en fait, je dirais, prendre cela comme étant, je dirais, quelque chose qui vous permettra de le mettre en pratique dans votre quotidien, hein, de voir, de pouvoir donner, en fait, chacun de vos oui, hein, pour être dans ce chemin, dans cette vérité, dans cette vie-là. Et puis de goûter, en fait, à toutes ces étapes-là. Quand que je suis le Christ, quand je suis sur son chemin et que je donne mes oui et que j'accepte tout ce qui vient de lui, hein? Mais à ce moment-là, est-ce que je goûte à la vérité? Est-ce que cette vérité-là m'emplit? Donc, la vérité qui est, hein, l'amour. Est-ce que cet amour-là m'emplit? Et puis, est-ce qu'elle me redonne la vie? Donc, est-ce qu'elle me ressuscite, cette vérité-là, cet amour-là? Et puis, ben, si oui, ben, vous allez voir qu'il y aura une plénitude de joie, de bonheur et d'amour. Donc, je vais être encore capable d'aimer ceux qui m'entourent d'un amour que je n'aurais pas estimé avoir en moi, parce que j'aurais été ressuscité dans cette vérité-là qui est l'amour. Que je vous souhaite une bonne semaine et puis exercez-vous, hein? Prenez les notes, prenez le soin de prendre le temps, de voir dans ce quotidien-là, hein? Lorsque le oui est plus difficile à donner, lorsque le chemin du Seigneur vous apparaît clairement, mais ce n'est pas lui que vous aimeriez prendre, par peur, peu importe, hein? Peu importe la raison, mais identifiez. Puis, faites les pas nécessaires pour avancer dans tout cela. Jacqueline qui dit « Merci Kevin pour cet éclaircissement à méditer. » Donc, oui, à méditer. Volume 3 au message 74. C'est donc une bonne semaine. Soyez tous et toutes bénis. Et on se redit ensemble parce que l'amour nous aime. Nous devenons l'amour. À la semaine prochaine. Bye bye. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour